Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une vidéo très très spéciale puisque je vais avoir besoin de votre aide et je suis très sérieux. Alors attention, quand je parle d'une aide, tout de suite je vois venir: ah, Jojo il va nous demander des sous. Non, pas du tout. Je vais pas vous demander de l'argent ou quoi que ce soit. Non, j'ai besoin de vous parler sérieusement et surtout de faire un point avec vous sur mon avenir, votre avenir, enfin indirectement, puisque ce sera lié à la chaîne et forcément à tout ce que je vais faire et tout ce que je vais vous proposer. Non, je vous rassure, je ne vais pas arrêter la chaîne, loin de là, bien au contraire, puisque comme vous le savez, on va d'abord commencer par le commencement. Et puis on verra comment ça va se passer, tout ce que je vais vous dire. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, je vous le promets. Mais déjà, je dois être honnête avec vous. Ce que je suis en train de vivre en ce moment est très particulier. Je sais pas si c'est parce que les 40 ans approchent, je sais pas, mais je suis actuellement dans une phase de ma vie qui est particulière, puisque j'approche quand même doucement mais sûrement des 35 ans, et dans 5 ans, et ben des 40, et 40 on dit que c'est à peu près la moitié de la vie. Dans mon cas, c'est fort probable, hein, parce que vous savez ce que j'ai dans le ventre, donc oui, je veux bien croire que 40 ans, ce sera effectivement la moitié de ma vie. Avec de l'optimisme. Mais justement, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Vous savez, je vous en ai parlé, que j'étais dans une phase d'éveil spirituel. Et c'est surtout en fait que je me pose plusieurs questions sur plein d'autres domaines, et aussi sur toute la conception de ma vie et sur la façon que j'ai de la gérer, de la vivre, etc. Et il y a plein de choses que je suis en train de réaliser, des choses que je ne veux plus, dont je n'ai vraiment plus envie, des choses où j'ai plus le temps, où je ne veux pas en fait accorder du temps aussi. Bref, là, je parle de façon très mystérieuse. Vous êtes en train de vous dire: mais qu'est-ce qu'il dit Jojo, je comprends rien, de quoi il parle, rentre dans le vif du sujet s'il te plaît. Et ben j'y viens justement les amis. Alors, déjà parlons un petit peu de mon travail actuel. Vous savez que j'ai retrouvé une activité, ça fait un mois, un peu plus d'un mois et demi maintenant. Il faut savoir que ce travail, c'est pas un CDI, c'est un CDD qui s'arrête au mois de septembre, début septembre. Et en fait, je suis en train de réfléchir à plein de choses sur le fait que déjà au niveau de ma santé, je le vois, j'ai beaucoup de mal à tenir le rythme, que ce soit mon bras et mon ventre. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'essaye de rien montrer, j'essaye de toujours être souriant et de tenir mes services avec un maximum de professionnalisme, mais j'avoue, ça commence à devenir sérieusement un frein et mon corps me le fait bien comprendre. Donc il va falloir que je prenne des décisions assez rapidement. Et ce qui est en train de se passer aussi, c'est que je veux faire quelque chose de ma vie, mais de façon concrète. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, alors oui, vous allez me dire: mais Jojo, tu as ta chaîne, pour nous, tu comptes beaucoup, etc. Je sais, vous êtes plusieurs dizaines, voire des centaines à me répéter toujours les mêmes choses, et merci vraiment du fond du cœur, parce que vous n'imaginez pas l'impact que vous avez. D'ailleurs, c'est un petit peu à cause de vous, en fait, que je vous fais cette vidéo, et puis que je suis dans cette espèce d'éveil spirituel. Parce que concrètement, si j'avais une vie un petit peu plus normale, un peu plus lambda, dans le sens où je n'aurais pas de chaîne, où j'aurais pas vous, ma communauté, qui êtes toujours là à me pousser, à m'encourager, etc., etc., bah je me poserais peut-être pas toutes ces questions, je me contenterais de la vie que j'ai actuellement, et puis voilà, basta. Mais là, c'est pas le cas, et à vie un petit peu extraordinaire, eh bien, il faut que je prenne des décisions un peu extraordinaires aussi. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ça fait quand même 3 ans, vous imaginez l'aventure de l'œil dans le noir, 3 ans, 3 ans quand même, hein. 3 ans à avoir investi autant de l'énergie, autant du temps, autant de l'argent,
pour la chaîne, que ce soit, bah vous voyez, hein, tout ce qu'il y a dans cette pièce. Quand ceux qui m'ont connu à mes tout débuts, quand je m'étais lancé sur Facebook, j'ai commencé, j'avais 5 jeux, j'avais quoi, à peine une dizaine de livres, et encore, je suis même pas sûr que j'avais une dizaine de livres, j'avais 2-3 bricoles, et puis c'est tout. Et puis, bah, chaque euro que j'avais, je le consacrais pour la chaîne, voilà. Et au bout de 3 ans, bah, ça a donné tout ça. Donc quand je vois quand même tout l'investissement qu'il y a eu pour la chaîne, tout ce que je vous ai apporté, tout ce que vous m'avez apporté aussi, tout ce qu'on s'est donné mutuellement, hein, c'est quand même énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Mine de rien, bah, on approche quand même des plus de 10 000 abonnés, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur les réseaux sociaux. 10 000 personnes, c'est quand même pas rien, j'y réfléchissais, ça fait quand même une ville, 10 000 personnes, un bon village, un bon gros village même, 10 000 personnes. Hein. Et je sais pas, je me rendais pas compte de ça, parce que c'est vrai que je ne vous vois pas moi physiquement. Je vois qu'à, enfin, je vois à travers vos commentaires, à travers des chiffres finalement, parce que moi, malheureusement, c'est triste, mais vous n'êtes qu'un chiffre. Alors pour certains, vous êtes bien plus qu'un chiffre, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est YouTube qui me dit, bah t'as tant de personnes qui ont commenté, tant de personnes qui ont liké, tant de personnes qui sont abonnées, mais je vois pas vos visages derrière et ça me frustre beaucoup d'ailleurs au passage. Alors bien sûr, ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas du tout un chiffre, hein, qu'on soit bien d'accord, vous êtes un être humain à part entière, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ma frustration, moi, de mon côté, puisque moi, ben, je n'ai pas la chance de vous voir, je n'ai pas la chance de pouvoir discuter avec vous, etc. Et ça, ça me frustre beaucoup. Et depuis que j'ai appris mon activité, alors cette activité, ça m'a fait du bien sur le plan ancrage, sur le plan matériel, ça m'a fait du bien dans le sens où ça m'a permis de pouvoir me reconnecter un petit peu avec le monde réel, le concret, etc. Surtout en plus avec tout ce qu'on a vécu, les confinements, etc., etc., bah, j'avoue que je m'étais un petit peu déconnecté du monde réel, enfin surtout du monde des vivants, j'ai envie de dire, hein, surtout quand déjà de base vous vivez pas franchement avec le monde des vivants, mais que vous êtes plutôt le cul entre deux chaises, hein, c'est déjà compliqué de rester connecté avec le monde réel. Mais quand en plus vous êtes confiné à tire-larigot et que votre vie se résume à une caméra, bah je vous garantis que ça vous isole encore un petit peu plus. Donc sur ce point-là, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de perdre 2-3 kilos. Ça aussi, c'est plutôt positif. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect négatif sur le fait que bah, c'est en train de détraquer ma santé plus qu'autre chose. Là, par exemple, mon bras, je vous l'ai dit, hein, que j'étais reconnu travailleur handicapé. Et là, mon bras, très concrètement, il est vraiment en train de me faire comprendre que la restauration, c'est plus pour moi. Et qu'il va falloir vraiment que je prenne une décision incessamment sous peu. Donc moi, dans mon optique, ça serait de terminer mon contrat, je vais aller jusqu'au bout de mon CDD, et par contre après, je pense que je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose dans le sens où ma chaîne, c'est quand même mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma création. Vous tous, ma communauté, vous êtes des amis, vous êtes ma communauté, vous êtes des clients, vous êtes de tout, vous êtes tout. Mais vous faites partie de moi en fait, vraiment, vous faites partie de moi, vous faites partie de mon quotidien, vous faites partie de ma vie. Et ça, je ne peux pas et je ne dois pas laisser ma chaîne de côté. Et malheureusement, ce qui est en train de se produire, c'est que je réalise que cumuler deux travails qui sont foncièrement et diamétralement opposés, là pour le coup on est vraiment sur de l'opposé qui n'est pas du tout complémentaire. Et le fait de cumuler deux travails qui sont diamétralement opposés, un qui est spirituel, l'autre qui est physique, voire très physique, et ça me bouffe beaucoup d'énergie à tel point que j'ai du mal à alimenter ma chaîne. Vous le voyez bien, j'arrive à vous faire des vidéos, Dieu merci, surtout que là on est passé sur les horaires d'été, donc je travaille que les soirs maintenant, donc ce qui me laisse un petit peu de temps la journée pour faire ce que j'ai à faire, mais j'avoue que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de lier les deux. Et là où j'ai besoin de vous, je vais y venir, hein, je vais y venir, vous inquiétez pas, c'est que je suis en train de réfléchir à plusieurs idées, à plusieurs projets, des projets concrets, des projets réels, pour à la fois développer la chaîne, mais développer éventuellement une entreprise physique qui me permettrait de pouvoir vivre concrètement et de façon décente de ce que je fais, mais proposer quelque chose qui soit original, quelque chose qui change du lot, quelque chose qu'on n'a pas vu, essayer. Donc du coup je réfléchis à beaucoup de concepts, je vais un petit peu vous parler de certains concepts que j'ai.
Alors, je vois déjà venir, certains pourraient dire, bah Jojo, t'as qu'à ouvrir une boutique ésotérique. Alors oui et non. Oui dans le sens où effectivement c'est quelque chose qui me pourrait me plaire, mais non dans le sens où ouvrir une boutique ésotérique aujourd'hui, déjà on est face à de la concurrence maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques par rapport à moi, à mon époque, quand j'étais adolescent, les boutiques ésotériques c'était vraiment très très rare. C'était pas du tout quelque chose qui était autant démocratisé. Aujourd'hui, ça, il y a quand même beaucoup plus de boutiques. Donc, ce qui fait qu'il y a une concurrence assez directe, surtout si, pour se faire de la clientèle, il faut viser quand même des villes ou des petites villes. Donc, qui dit ville ou petite ville, dit forcément que vous avez de la concurrence. Mais si vous ouvrez une boutique dans un village ou une toute petite ville, eh ben, le problème, c'est que vous risquez de pas avoir de la clientèle. Vous voyez? Donc, on est face à deux problèmes. Soit la ville, mais avec de la concurrence, soit une très petite ville ou un village avec pas ou peu de concurrence, mais potentiellement pas assez de clients pour pouvoir en vivre, vous voyez? Donc la boutique ésotérique, et puis si c'est pour refaire ce que j'ai fait au mois d'avril, à savoir vous vendre en fait via des lives, je vois pas l'intérêt d'ouvrir une boutique quoi. Autant que je réceptionne les articles chez moi, je vous vends tout depuis mon cabinet, je vous fais les lives depuis le cabinet, et puis moi ça m'évite de payer un local, un comptable, un machin, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc y a pas d'intérêt en fait. Donc ça, non, j'ai pas envie de le faire. Après, pourriez me dire, ouvre un cabinet de voyance. Oui et non. Alors oui, dans le sens où effectivement, je pourrais vivre de ce que je fais, mais non dans le sens où je ne veux pas être rattaché, je ne veux pas être affilié à tous ces pseudo-voyants à la con. D'ailleurs, j'ai vu un reportage, enfin une vidéo sur YouTube, un reportage YouTube. Je vous le mettrai en lien si vous êtes curieux. Je vous invite à aller le voir sur toutes les pratiques, les dérives qui puissent exister dans l'ésotérisme. Je vous jure, ça m'a rendu mais fou, mais vraiment fou quoi. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais Jojo, ton boulot n'est pas terminé, ton boulot de prévention à toujours faire des coups de gueule et tout, il n'est pas fini parce que je savais quand même qu'il y avait des charlatans, mais à ce point-là, quand même, ça va loin. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, pour vous dire que cabinet de voyance, oui et non, oui dans le sens où oui, je pourrais vivre de ce que je fais, mais non dans le sens où d'une part, je ne suis pas un jukebox à prédiction et je vous garantis que ça fatigue énormément quand vous commencez vos journées à 9h du matin, vous les finissez à 18h, vous faites que de la voyance. Honnêtement, c'est fatigant, c'est vraiment ceux qui savent, ceux qui pratiquent de façon assidue, vous savez de quoi je parle, on est épuisé. Alors, c'est pas qu'une... Il y a une certaine forme de fatigue physique, mais pas que, il y a une fatigue qui est surtout mentale et spirituelle, vraiment. Et ça, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas de ça. Donc du coup, je réfléchis à d'autres concepts, à d'autres idées. Et je me dis quand même, Jojo, t'aimes bien la partie restauration, t'aimes bien quand même avoir du public, t'aimes bien vendre de la bonne humeur, des petites blagues, vendre ton sourire, apporter un petit peu de soleil aux gens, etc. Mais en même temps, je ne veux pas retourner dans la restauration. Ça va me tuer, honnêtement. Et là, c'est pas une blague ce que je dis, avec les problèmes de santé que j'ai, ça va me tuer, vraiment. Et je ne veux pas, je ne veux pas. Donc du coup, je réfléchis à plusieurs concepts, et il y en a un, entre autres, qui commence à faire son bonhomme de chemin. Et j'ai besoin de vous dans le sens où en commentaire vous allez me dire si c'est une idée qui pourrait fonctionner, mais concrètement, sérieusement, d'un point de vue comptable, financier, etc. Est-ce que c'est une idée qui pourrait plaire d'après vous? Est-ce que c'est viable? Et sinon, si vous avez des idées aussi, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me faire un commentaire, à m'exposer l'idée ou pourquoi pas à m'envoyer un mail pour m'exposer aussi votre idée. Je suis vraiment preneur, donc c'est là en fait où j'ai besoin de vous, c'est pour m'aiguiller, pour me conseiller, pour me guider, d'accord? Hein, d'habitude, c'est moi qui vous guide, c'est moi qui vous conseille, et là, c'est l'inverse, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, et j'ai besoin que vous me guidiez à prendre les bonnes décisions. Parce que c'est une décision qui, pour moi, j'arrive en fait à une sorte de carrefour de ma vie, et il faut que je prenne des décisions, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est pas quand je vais arriver à 50 ou 60 ans qu'il faudra que je me dise, ah Jojo, faut que tu changes de vie. Non, c'est maintenant. Je suis encore jeune, les banques peuvent me suivre, etc., etc. C'est maintenant que je peux avoir des prêt, c'est maintenant que je peux me lancer, c'est maintenant que je peux faire des choses. Si je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Et puis ma santé, malheureusement, ne va pas aller en s'arrangeant, donc je pourrais peut-être encore moins dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, c'est maintenant qu'il faut que je commence à réfléchir à des choses.
Et l'idée que j'avais, je voulais, alors ouvrir est un bien grand mot, mais l'idée que j'ai en fait, ça serait une sorte de bar, de café ésotérique, c'est-à-dire où je proposerais donc différentes boissons, bien évidemment, puisque c'est le principe d'un bar et d'un café. Mais attention, ce serait pas un bar où on trouverait tous les poivrots du quartier, non, 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 il y aurait pas de Ricard, de whisky, tout ça chez moi, pas du tout. On serait plutôt sur des boissons bio, des jus de fruits, des cocktails, des choses comme ça, du thé, bien évidemment, hein. Plusieurs types de thé, enfin vraiment faire quelque chose qui soit dans une thématique un peu bien-être. Surtout que là, j'ai envie de vous dire, le bio, le bien-être, c'est quelque chose qui est assez tendance. J'aime pas ce mot, mais c'est quelque chose qui est assez tendance, qui va avoir tendance, qui justement, c'est le cas de le dire, qui va avoir tendance à au contraire grandir encore plus, et les gens vont avoir encore plus d'engouement pour cette façon de vivre, hein. Surtout là, avec le monde dans lequel on évolue. J'avoue que se reconnecter à la nature et revenir à des choses un petit peu plus bio, un petit peu plus saines, c'est quand même, pour beaucoup, ça devient une priorité. Donc pourquoi pas, voilà, ouvrir un bar, voilà, un bar, je sais pas comment on peut appeler ça, un bar café, j'en sais rien quoi, j'en sais rien, où je proposerais, voilà, que des boissons qui seraient bonnes pour le corps, bonnes pour l'esprit, et puis avec une partie aussi ésotérique, c'est-à-dire une sorte de café ésotérique, un bar ésotérique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, à l'intérieur duquel, eh ben, on pourrait trouver, pourquoi pas, soit des petits articles à acheter. Alors attention, je vais pas me lancer dans une boutique, hein, donc ça y aura pas des rayons et des rayons et des rayons, mais me spécialiser dans plusieurs petites choses, soit des choses qui seront fabriquées, des choses artisanales comme en lien avec la magie, etc. Pourquoi pas quelques pierres, pourquoi pas je sais pas, des bougies, des gens, ça rien quoi, je verrai. Parce que là pour le moment c'est vraiment en état de comment on pourrait dire, à l'état de vraiment de projet, de chimère, hein. Il y a pour l'instant, il y a rien de construit, mais j'avoue que l'idée commence un petit peu à germer, et je sens que ça va me prendre comme une envie de donc je continue d'abord mon truc, et pourquoi pas à côté proposer des petites pâtisseries maison, des petites choses comme ça. Ainsi je pourrais viser deux types de clientèle, à savoir une clientèle qui sera vraiment branchée ésotérique et du coup qui viendrait dans le bar pour vraiment se réfugier, et puis il y aurait aussi plusieurs services, c'est-à-dire que je proposerais des ateliers, il y aurait de service guidance, voyance. Alors attention, ce serait vraiment de façon ponctuelle, ce serait pas de façon régulière, c'est-à-dire à imposer, non non, c'est voilà, il me reste un petit peu de place, où je te propose machin, etc. Pourquoi pas aussi proposer les sabbats, les initiations à la magie, former une espèce de coen, un réseau, quelque chose comme ça. Travailler avec des producteurs locaux aussi. Si par exemple il y a des fermes qui produisent des fruits, tout ça, bah, travailler avec des producteurs locaux pour proposer des smoothies, des jus de fruits, des choses qui seraient vraiment bio, qui seraient locales en plus. Et puis voilà, proposer pourquoi pas des séjours, des séminaires, des week-ends organisés, des choses comme ça pour découvrir la magie, les sabbats, découvrir des lieux spécifiques en France, etc., etc. Voilà l'idée que j'ai. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à l'état encore de pâte à modeler mal formée. Il y a encore beaucoup de choses à peaufiner. Il faut que je fasse des études de marché. Il faut que je vois si vraiment ça peut plaire, si c'est viable aussi sur tout ça, et si vous seriez partant pour une aventure dans ce style-là. Et bien sûr la chaîne, elle, s'enverrait bah, plus que gratifiée, puisque bah, je pourrais vous faire des vidéos depuis le bar, il y aurait des vidéos à thématiques, enfin, pour vous, rien ne changerait, hormis que je pourrais me consacrer à la chaîne H24. Et ça, c'est important pour moi, parce que depuis 3 ans, vous êtes là tout le temps pour moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes là pour moi. Je peux poster une vidéo à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, 5 minutes après qu'elle soit postée, j'ai un commentaire qui me prouve que vous êtes là en fait. Il y a toujours quelqu'un avec qui discuter, il y a toujours un petit commentaire, il y a toujours quelque chose, et ça, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous remercier. Et que j'ai pas envie de vous trahir en partant dans un travail qui d'une part va m'user jusqu'à l'os, qui d'autre part va m'éloigner de vous, va m'éloigner aussi de ma vocation, va m'éloigner de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Ça, je ne le veux pas. Ma chaîne passera en priorité sur absolument tout. Ma chaîne, c'est mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma création. Je me suis battu, j'ai investi, j'ai beaucoup donné pour la chaîne. Vous me l'avez bien rendu, certes, je suis d'accord. Et c'est pour ça que cette relation de confiance
confiance qu'on a entre nous. Je ne veux pas la sacrifier et voilà. Donc ça, c'était important pour moi de le dire. Maintenant, pourquoi j'en suis arrivé aussi à cette réflexion? Bah là, encore une fois, c'est à cause de vous, avec vos commentaires. Parce que vous êtes très nombreux à m'écrire des choses qui me perturbent, en fait, au fond de moi. C'est-à-dire que là, sur les dernières vidéos, entre autres celles où je parle des livres interdits, tout ça, vous avez été plusieurs à me dire que j'étais fait pour ça, que c'était ma vocation, en fait, d'apprendre, d'enseigner, de diffuser, etc., etc. Et j'avoue que ça m'a fait peur dans le sens où je me suis dit « oui, ils ont raison ». Alors désolé, ça va paraître peut-être arrogant ou prétentieux de ma part de le dire, mais ça a été plus un déclic en fait. Donc c'est pas question d'être arrogant ou prétentieux. Quand c'est un fait, quand c'est quelque chose qui est là, on ne peut pas le nier. Et quand j'ai vu tous ces commentaires, et bah du coup je me suis amusé à voir ma vidéo, mais voir ma vidéo comme si j'étais quelqu'un de lambda, c'est-à-dire j'ai occulté le fait que c'était moi qui avais fait la vidéo, etc. Et j'ai essayé de regarder la vidéo de façon objective en me disant voilà, je regarde une vidéo qui est censée m'apprendre des choses, est-ce que je vais apprendre des choses? Et c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, ben, je me suis un peu étonné à m'entendre parler. C'est-à-dire que souvent, je regarde mes vidéos. Quand je monte mes vidéos, je suis obligé de me regarder, forcément. Je me regarde, mais je m'écoute pas. Je m'écoute pas et je m'entends pas. Enfin, j'écoute pour savoir si ma langue a fourché, s'il faut que je coupe le petit passage, etc., etc. Mais je m'entends pas. Et là, la vidéo, je l'ai vraiment entendue. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, effectivement, pour ceux qui te connaissent pas, ça peut être impressionnant dans le sens où on a l'impression que... Enfin, on a l'impression d'entendre une encyclopédie vivante. Alors que moi, de mon côté, j'ai pas l'impression. Je suis quelqu'un, au contraire, ça paraît pas, je vous promets les amis, mais je suis quelqu'un qui reste encore timide, qui reste avec un certain manque de confiance en lui, qui doute de lui, qui se remet en question perpétuellement. Je suis pas du tout quelqu'un d'affirmé, bien au contraire, même si on pourrait croire le contraire. Non, non, croyez-moi, c'est une façade. C'est une façade. Et mon rire, mon humour justement me permet de me cacher un petit peu derrière ça, parce que je trouve que c'est plus facile de faire de l'humour pour détendre justement, pour casser le côté mal à l'aise. Et là je me suis dit ouais, Joe, c'est vrai que ça fait quand même, et ça m'a fait une espèce d'électrochoc, parce que je me suis dit ça fait quand même 3 ans que tu te fais bombarder de commentaires, de mails qui te répètent toujours la même chose, que tu es bon, doué d'éloquence, que tu sais des choses, que tu sais les enseigner, que tu sais les retranscrire, que enfin vraiment je me suis fait en fait un autoportrait, un auto-jugement. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est dommage en fait de pas exploiter ça pleinement. Surtout que il y a des choses qui me tracassent un peu. Alors ça va vous paraître bête ce que je vais vous dire, mais quand je prends Cédric, il a son petit, il a un enfant, donc c'est-à-dire que lui, quand il partira, il va laisser quelque chose derrière lui. Mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et moi concrètement, je n'ai pas d'enfant. Je suis pas sûr d'arriver à 90 ans, clairement pas. Et je me dis que le jour où je partirai, qu'est-ce que je vais laisser? Alors je vois déjà vos commentaires arriver en disant « Mais non, je dis pas ça. Des choses, tu vas en laisser. T'as créé des oracles, t'as créé des choses. Donc il y aura toujours tes vidéos. Tu vas continuer à vivre quelque part sur Internet. » Alors oui, vous avez raison. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai pas encore trouvé le truc qui me fait vraiment dire que je vais vraiment laisser mon empreinte sur cette terre, que j'aurais au moins été utile pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une tâche, que j'aurais réalisé au moins voilà, un but. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas comment vous dire. Comme si un peu j'avais... on va prendre un peu l'exemple d'un film. Un film fantastique, par exemple, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux. On prend Le Seigneur des Anneaux, et ben quand on prend Frodon Sacquet, qui est un petit hobbit qui vit dans la comté, qui a une petite vie, tout ce qu'il y a de plus tranquille, voilà, et qui se retrouve du jour au lendemain à devoir sauver littéralement le monde, et ben quand il a jeté le moment où il... Attention, spoil! Le moment où il jette l'anneau dans la montagne du destin... Il sait qu'il a réalisé quelque chose, même s'il fait plus rien d'autre de sa vie derrière, il sait qu'il a réalisé une tâche, il sait qu'il va laisser une empreinte derrière lui, qu'il aura éradiqué le mal, qu'il aura sauvé des vies, etc., etc. Alors,
J'en attends pas autant. Je ne tiens pas spécialement à sauver le monde, sauver des filles. J'attends pas de faire la même chose quand même, hein. Je suis beaucoup plus humble, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi, j'ai envie de laisser une empreinte, j'ai envie de laisser un petit, un quelque chose. Et ce que j'ai peur en fait, c'est j'ai peur de juste de disparaître. Sans rien laisser derrière moi en fait et ça j'avoue ça me je sais pas comment vous dire, je me sens incomplet en fait. Est-ce que c'est mon horloge biologique qui parle? Je sais pas, mais je me aujourd'hui en fait je me sens incomplet. Et j'ai envie de faire quelque chose. Enfin, c'est même pas que j'ai envie, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que j'arrive à un stade de ma vie où je suis plus du tout un adolescent, je suis plus un jeune non plus. Je me dirige quand même plus vers la tranche adulte, adulte, adulte un peu mature, hein. Parce que 40 ans, on est censé être un adulte mature normalement. Et je me dis que ma façon de vivre des fois ressemble un peu encore à un adolescent qui vit entre deux trucs, qui vit de petits boulots, qui a pas un salaire correct, qui doit toujours se débrouiller, qui doit toujours voyez ce que je veux dire? Et ça, j'avoue que ça m'insupporte vraiment. Alors je sais que il y a aussi un problème qui est lié à ma génération. Vous savez, je sais plus le nom des générations. Il y a la génération X, Y. Vous savez, c'est un truc, un code social. Et en fait, ma génération à moi, ceux qui sont nés comme ça entre 80 et 90, on fait partie de cette génération bâtarde où on n'est pas compris par la société, où on a du mal. Mais ça, c'est pas une bêtise que je vous dis. C'est vraiment, ils ont fait des études et ils ont vu que ma génération, l'année 80-90, on est une génération bâtarde, on n'est pas compris par la société, on a du mal à trouver notre place dans la société. La société ne nous comprend pas, mais nous ne comprenons pas non plus la société, ce qui fait que on a toujours du mal à trouver du travail, on a du mal à les garder, il nous arrive toujours des tuiles. Enfin, on a vraiment, là, tous ceux qui sont comme moi, là, les trentenaires, trentenaires, 35, on a vraiment des problèmes pour se faire comprendre de la société. Par rapport à l'autre génération, je crois que c'est la génération Y ou Z qui, elle, est née dans les années 2000, qui est connectée avec son monde et qui, par conséquent, est connectée avec la société actuelle. Donc, la nouvelle génération n'a pas ce problème. Et l'autre génération d'avant, c'est la génération de ma maman. C'est la génération de tous ceux qui sont nés 50, 60, 70. Eux, pareil, ils sont intégrés dans la société, ils ont eu un boulot qui était stable, ils étaient dans une époque de la vie où justement du boulot il y en avait, où ils avaient la chance de pouvoir le garder en plus, et ils arrivent aujourd'hui à leur retraite. Donc voilà. Mais nous là, nous, notre génération, les futurs retraités, eh ben c'est compliqué pour nous. Et justement, je le sens en fait tous les jours que je n'appartiens pas à ce monde. Je vois dans mes différents boulots, pourtant vous me verriez travailler, je donne tout mon cœur, je donne toute mon âme, je donne tout, 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 tout mon savoir-faire, tout. À chaque fois, j'ai toujours eu que des reproches dans mon travail. Et je fais pas assez ceci, et je fais pas assez cela, etc., etc. Mais qu'est-ce que je peux donner de plus quand vous donnez votre cœur, votre corps, votre âme, votre énergie, votre santé, votre vie sociale et tout? Parce que j'ai eu des boulots où je faisais plus de 70 heures par semaine, où j'avais plus du tout de vie ni sociale, ni amoureuse, ni rien du tout, où je vivais uniquement pour mon travail. Et ben, j'avais mes patrons qui trouvaient que j'en faisais pas assez. Ben, merde, 70 heures par semaine, j'en fais pas assez. À 20 ans, je connais peu de jeunes à 20 ans qui sacrifient leur vie pour vivre que pour leur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je prends mon boulot de game master, j'ai pas eu un seul week-end, j'ai pas eu de vacances, rien du tout. D'ailleurs, je me suis fait avoir quand j'ai été licencié, hein, parce que du coup, on m'a payé que 30 jours de vacances, et puis les deux années que j'avais accumulées, y a une année qui a été squeezée, hein. Pareil, pas de week-end, pas de rien du tout. Je faisais plus de conventions, je faisais plus rien, et tout ça pour être licencié comme une merde. Enfin bon, là, c'était un cas de figure un peu différent, parce que c'était pas vraiment de leur ressort, c'était d'ordre économique. Mais je veux dire, il n'y aurait pas eu ce problème avec les gilets jaunes, peut-être que ça aurait continué, et peut-être que moi j'aurais fini en burn-out, parce que pas de week-end, pas de repos, rien du tout, toujours à être sans arrêt sur le travail, et puis rien pouvoir faire d'autre. J'aurais certainement peut-être pété un plomb à la fin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. J'en ai plus envie. J'en ai vraiment plus envie du tout. Ça me fait plus rire. Ça m'amuse plus. Et j'ai envie. J'ai surtout besoin maintenant de trouver ma vocation, ma vraie vocation, trouver ma voie. Je crois qu'on a un visiteur. Je crois qu'on a un visiteur.
Non, c'est pas Angel, c'est... Quoique aussi, c'est Angel, mais je l'ai passé à la machine à laver, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rajouté un petit peu de Javel, du coup, elle a complètement délavé. Et ce que j'ai besoin, en fait, c'est vraiment de trouver ma voie, c'est de trouver ma vocation. Et pour le coup, voilà, c'est là où j'ai besoin de vous pour, parce que comme je sais quand même que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont plus âgés que moi, vous avez plus d'expérience, vous avez plus de vécu, et j'ai besoin justement de votre expérience, de votre vécu pour, bah, soit m'encourager, soit me donner des pistes, soit m'aider au sens propre comme physique, parce que peut-être que certains ont déjà des expériences similaires et pourraient m'aider physiquement, dans le sens me dire eh ben, il faut que tu fasses telle démarche, tel dossier, que tu ailles voir tel organisme, etc., etc. Ou peut-être même des personnes qui n'habitent pas très loin de moi et qui voudraient m'aider dans mes démarches, ça serait avec grand plaisir aussi, puisque il y a plein de choses en fait qui... quand je vous disais que je suis un carrefour de ma vie, c'est vraiment pas... c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux pas tenir en place 2 minutes, non ? Lui, il est l'inverse d'Angèle. Si Angèle, elle dort 23 heures par jour, lui, c'est l'inverse. Il dort 1 heure par jour. Et donc, je vous disais que... Je vous disais que je suis un carrefour de ma vie, mais c'est bien choisi comme terme. Pourquoi ? Parce que, pareil, cette maison dans laquelle on est, là, avec Cédric, on ne va pas pouvoir la garder parce que financièrement, c'est un gouffre financier, cette baraque, vraiment. D'une part, on donne quand même plus de 600 balles par mois. On a un problème aussi d'électricité. On a fait intervenir EDF, on a fait intervenir le propriétaire, l'agence, on a fait intervenir tout le monde. On paye plus de 250 euros d'électricité par mois, alors que concrètement, on ne consomme pas énormément, quoi. C'est ça qui est aberrant. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Et en fait, ce qui fait qu'avec Cédric, on est tout le temps dans le rouge, tout le temps, sans arrêt. Cédric quand même se fait une paye relativement correcte. Là, il a dû prendre 2 travaux supplémentaires. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous le dis parce que peut-être que je serai amené à faire des vidéos. Il s'est lancé dans la marque Captain Tortue, qui est en fait de la vente de vêtements. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un live, parce que je sais que j'ai beaucoup de femmes abonnées, donc si vous êtes intéressés par des vêtements, surtout que Captain Tortue, ils font beaucoup pour femmes et pour enfants. Donc si vous êtes intéressés par un live animé par Cédric, ce sera avec plaisir que je vous le ferai, vous me direz en commentaire. Et il s'est lancé aussi dans la marque Party Light, qui ça m'intéresse et pourrait vous intéresser aussi, et ça pourrait me faire un petit complément de revenu, parce que c'est beaucoup de bougies, des bougies parfumées, des huiles essentielles, des choses comme ça, et franchement, je trouve que c'est bien en lien avec la chaîne. Donc j'ai dit à Cédric, je pense que tu vas m'inscrire à ton truc aussi, et peut-être que ça pourrait intéresser certains de mes abonnés, voilà. Et c'est vrai qu'on est obligé de cumuler en fait les activités. Si par exemple j'ai pris ce travail, c'est parce que on a besoin, parce que tous les mois on n'y arrive plus financièrement, ça devient vraiment très compliqué. Et c'est pour ça qu'on veut partir aussi de cette maison, sauf qu'aujourd'hui on a vraiment du mal à trouver en fait d'autres maisons. Je sais pas ce qui se passe, il n'y a rien de disponible, il n'y a vraiment rien de disponible, donc c'est compliqué pour trouver autre chose. Qu'est-ce que t'as entendu? Et donc voilà, donc ce qui fait qu'il va y avoir comme ça plusieurs bouleversements qui vont faire que bah, le travail, il y a des choses qui vont changer, la maison, il y a des choses qui vont changer aussi, tout va changer, on a envie aussi de tout faire changer, la chaîne aussi va changer sur certains aspects parce que je vous réserve un projet, mais j'ai pas envie de vous en parler encore parce que c'est... ça va vous faire plaisir, c'est un truc secret pour le moment, je veux pas en parler, pourquoi ? Parce que je voudrais pas qu'on me pique l'idée, tout simplement. Mais je vous ai prévu des vidéos un peu particulières, parce que ce sera des vidéos films. Alors non, c'est pas Orlésia, mais c'est vraiment sur des thématiques particulières. Enfin, je vous dis rien, je vous mets juste l'eau à la bouche en vous disant que il y aura des projets de vidéos films, qui mettront en scène des sujets ésotériques particuliers. Si je vous dis par exemple dossier Warren, des choses comme ça, hein, voilà. Je vous dis juste ça. Mais ce que je voudrais, c'est que ça ne soit pas version Hollywood. Je voudrais que ça se rapproche en fait de la réalité. Voilà. Je vous en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Mais
Pour faire ça, il me faut du temps, bien évidemment, et c'est là où ça pose problème, c'est que du temps, j'en dispose pas suffisamment. Vous savez aussi que j'ai lancé la possibilité de vous abonner, de rejoindre la chaîne. D'ailleurs, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez rejoindre la chaîne de façon plus active. Ou pareil, j'ai prévu aussi de vous faire des live voyances, de vous faire des ateliers, de faire plein de choses, mais encore une fois, c'est le temps qui me manque. Et c'est pour ça que je demande d'être un petit peu patient, puisque bon, même si j'alimente, hein, j'alimente, mais j'alimente pas autant que je voudrais. Et ça va changer aussi. En fait, comme je l'ai dit, voilà, je veux maintenant, j'ai réalisé que oui, j'étais fait pour ça, que c'était ma vocation, que c'était ma branche, que c'était mon truc, que c'était, voilà, j'étais fait pour ça. Et donc, j'ai décidé de pleinement assumer ce côté-là et de tout faire pour, d'une part, en vivre décemment, mais sans tomber dans le côté charlatan, etc. C'est-à-dire que moi, je veux travailler de façon honnête, je veux proposer des choses qui soient honnêtes et sans non plus, voyez, enfin, sans devenir un de ces voyants qui vous facture la prestation à 80 € les 15 minutes, et puis après c'est 5 € pour chaque minute, et vous vous retrouvez avec des factures de 2 000 € pour 1 heure. Hein, vous voyez, voilà, je veux pas tomber dans ce genre de conneries, je veux pas tomber dans ce genre de trucs. Non, moi je veux rester dans ce que je fais, je veux rester dans mon credo, je veux rester fidèle à mes principes et à mes valeurs. Ça ne changera absolument pas. Mais concrètement, je peux pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est pour ça que je réfléchis à des solutions qui me permettront à la fois de vivre de façon décemment, surtout que je demande pas des 100 et des 1 000. Hein, je veux dire, je me ferai un salaire 1 200 € par mois, je serais plus que content. Je me ferai un SMIC là. Honnêtement, si tout ce que je faisais, ça me rapportait un SMIC, même ne serait-ce que 1 000 €, j'aurais ne serait-ce que 1 000 € par mois, je serais déjà content. 1 000 €, alors certes, vous vivez pas le grand train, mais vous vivez relativement décemment. Enfin, 1 000 € quand on est deux, on arrive à vivre décemment. 1 000 € quand on est tout seul, c'est sûr qu'on fait rien avec. Hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, j'aurais ne serait-ce que 1 000 €, je serais déjà content et voilà. Mais là, à l'heure actuelle, je n'ai pas ça. J'en suis un petit peu loin en fait. Et c'est pour ça que il faut que je me consacre pleinement à ma chaîne. Si je veux pouvoir faire évoluer la chaîne, si je veux pouvoir toucher plus de monde ou faire vraiment ce que je voudrais faire pleinement. Parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, je me sens un peu bridé. Je ne me sens pas libre de complet de faire ce que je voudrais faire. Mais pour ça, il faut que je puisse me consacrer pleinement à la chaîne. Donc c'est pour ça qu'à partir de septembre, malheureusement, et ben après mon CDD, enfin malheureusement entre guillemets, c'est-à-dire que ce CDD se terminera, et bien moi de mon côté, je me dois de soigner mon bébé, ma communauté, ma création et de faire autre chose. Voilà. Bon les amis, je vous ai tout dit, je vous avais promis une vidéo pas trop longue, on est déjà à 40 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je compte sur vous pour m'envoyer, enfin pour m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez tout ça. Dites-moi aussi en commentaire si j'ai complètement pété un plomb. C'est-à-dire si non non Jojo, t'es en train de faire n'importe quoi, ou au contraire si ce que je dis tient la route, si c'est sensé, si c'est raisonné ce que je dis, parce que je pense que vous avez tous vécu ça dans votre vie, enfin surtout ceux qui sont arrivés à 40 ans, je pense que vous avez tous traversé cette période-là où vous vous êtes dit ce que je suis en train de vivre là à l'heure actuelle, je n'en veux plus et je veux changer de vie. Sauf que c'est pas à 80 ans qu'on se dit ça y est, je vais changer de vie, même si c'est encore possible. Voilà, à 80 ans, on est limité par la santé, par les banques qui suivent plus, par plein de choses. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire là. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous embrasse fort. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.